ouvrir nos Bibles dans les Actes des Apôtres. Donc, au fond de la Bible, la mission à Mukanda et Missara et à Thomas. Les Actes des Apôtres, Missara et à Thomas. Nous en lisons du verset 5 au verset 25. Donc, on parle de la Nitano, qui était la troupe de la Nitano. Nous en lisons debout, bien-aimés. Donc, tellement, pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu, n'a pas tout été écoutant là, de l'Assemblée. Actes apôtres, chapitre 8, nous serons dans tout le monde au Capramambé, du verset 5 au verset 25. Bandette la Nitano, qui était la troupe de la Nitano. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Alors Philippe a quitté la ville de la Samarie, a terraqué Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Bartholomew, c'est parce qu'il était et bel. Lorsqu'ils apprirent à vivre le miracle qu'il faisait, car les esprits ont pu sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon qui se trouvait déjà auparavant dans la ville exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Bandeka le motimoko azalaki kuna kombo na ye Simon, ye amitiaki lokola motimoko ya monene, azalaki kokamwisa bato ya Samaria na misala na ye ya kinakisi. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachèrent à lui et disaient, Bartholomew, ce bandeba na mitiaki na mikolo, babande kokanga na ye pe koloba, celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Il s'attachait à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils ont cru à Philippe et qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Quand Philippe a eu le sang ensemble, ma compagne Christ, Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils les renvoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit. Donnez-moi aussi ce pouvoir que celui à qui je poserai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi donc de ta pensée mauvaise, prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée si le possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il me souvienne priant de ce que vous avez dit. Simon a dit, au sein de la après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en évangélisant plusieurs villages des Samaritains. Amen. Je prie de vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, quand je priais, je demandais au Seigneur qu'est-ce que je devais enseigner. Il faut que tu enseignes pour ouvrir les yeux aux gens, au peuple congolais. Parce qu'ils ne connaissent pas très bien encore comment agit le Saint-Esprit. C'est ça le danger. Le temps, il y a un la présent. Il y a d'une part l'Esprit de Dieu et d'autre part l'Esprit de la magie ou l'Esprit du diable. C'est ça le thème que nous allons annoncer aujourd'hui. L'Esprit de Dieu et l'Esprit du diable. Ou l'Esprit de Dieu et l'Esprit de la magie. Amen. Amen. C'est l'enseignement que le Seigneur nous a donné ce matin. Et aujourd'hui, la question pour la persécution à Tonga de l'eau. Pour expliquer au peuple de Dieu pour la colline de l'équipe ensemble. Comment est l'Esprit de Dieu? Comment il agit? Comment reconnaître que cet homme qui parle au nom de Dieu a l'Esprit de Dieu? Oui aussi, on reconnaître que cet autre homme qui parle de Dieu est un homme. Il parle de Dieu, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il parle de Dieu, mais l'Esprit qui l'anime, c'est l'Esprit du diable. Alléluia. C'est là le malheur des Congolais. Et si on ne passe pas sur un Congolais, c'est là que réside l'origine de tous les malheurs des Congolais. Et ce qu'on a dit, nous, il n'y a pas de ça va Congolais, et c'est le commandant. Tu vas croiser des gens qui vont te dire, et vous, on a battu ma colombe à l'aïeux,
Moi je connais Dieu depuis 10 ans. Depuis 20 ans, je prie. J'ai rencontré des pasteurs. Des grands pasteurs. Mais tu vas voir ces gens-là. Leur vie n'a pas changé d'un pouce. Et changé à pas vous péter. N'a pas changé même pas d'un petit rien de Jota. Et changé pas tellement que vous étiez. Au contraire, Kasi, la vie n'a fait que s'empirer. Toutes les espérances qu'ils avaient en Dieu se sont volatilisées. On commençait à se décourager. Pourquoi Dieu là n'agit pas? Depuis longtemps que je cours après lui. Mais pourquoi il n'agit pas pour moi aussi? Parce que les Congolais ne comprennent pas bien que sur cette terre, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. L'esprit du diable agit par la force de la magie. Et c'est là qu'on a cela, il y a ce roca. Fait aussi le miracle. Et c'est là que peut être comme aussi. Miracle. Et c'est là que peut être comme aussi pour lui. Le vrai miracle même. Mais comme c'est un seul seul peut être pour lui. Mais souvenez-vous, quand c'est bon qu'il est venu mon corps, lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Pour faire des miracles devant Pharaon. Pour l'objet de Bikam aussi, monsieur Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les caca. Pharaon a aussi appelé ses magiciens. Pharaon qui peut battre à ce loca. Qui ont imité le miracle de Moïse. Et il a dit, moi aussi j'ai des gens capables de faire ce que toi tu fais là. Je ne veux pas laisser partir ce peuple-là. Alléluia. Satan a toujours été têtu. Satan a fait la nous sommes mutuma kasi. Satan a toujours été têtu. Satan a mutuma kasi tant nous sommes. Il a toujours cherché à induire les gens dans l'erreur. Mais le carré tant nous sommes quoi que tu sais là il y a un béba. Dans l'aveuglement, qu'est-ce que la position de la main nous sommes pour qu'ils ne puissent pas connaître le vrai Dieu. Pour être battu par les bâtés, ça va solo solo. Toi tu penses que tu pries le vrai Dieu. Mais quand ici nous sommes dans la solo solo, tu pries le diable. Nous sommes quand nous sommes dans la solo. Alléluia. Quand tu penses que tu es dans une église où il y a Dieu, voilà que nous sommes dans l'église où nous sommes dans la oh, là où toi tu es, je que c'est que tu es devant la face du diable. Et vous même vous supposez que vous avez ça pour et ici donc, voyez, Dieu a envoyé cet enseignement. Ça va dire la question. Ici nous allons voir. Ah, ok, comment là hein? D'abord Philippe. Du coup, Philippe. Qui était un diacre. Oui, c'est là qui diacre. Et il était en même temps un évangéliste. Ah, c'est là qui peut malamou comme pas de sang malamou. Il est descendu dans une ville de Samarie. À Tipoké, il y a quatre villes de Moko. Il y a Samarie. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu là-bas. À partir de la côté de la salle de Kouna. Et Dieu était avec lui. Philippe a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de gens ont été guéris de maladies. Les paralytiques ont été guéris. Handicapés. Nous avons lu ça ici. Mais il les a aussi baptisés. Pour le pardon de leurs péchés. Pour la bolime, ça va suivre la bambou. Mais aucun de ces gens-là, quand c'est pas de mon côté, quand c'est pas toi là, n'a reçu les indices. À ceux qui m'ont mon sanctité. Alléluia. C'est là où le Seigneur m'a dit d'insister encore pour le Congolais. Et si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps pour le Congolais. Parce qu'il y a des gens qui parlent aussi au nom de Dieu. Peut-être pas comme ça, parce que le peuple de la Congo n'a jamais. Qui sont des évangélistes. Parce que le papa de Salomon.
qui prennent la Bible, peuvent même te prêcher sur le Christ. Ils peuvent prier pour toi et Dieu te guérit. Mais Kasi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Cet homme-là, il n'a pas le pouvoir de prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Pour que le Christ vienne habiter en toi, il faut que celui que Christ nous a établi comme apôtre. Et le Seigneur peut nous trouver, il y a sûrement pas tel aussi. Donc on attend pas. Qu'il vienne soit t'imposer la main. Mon Dieu n'a rien. T'as mon souk au chat le coco. Ou qu'il vienne t'enseigner pendant que tu t'enseignes et le Christ te donne le Saint-Esprit. Tu as peut-être un seul. T'as le coco peut-être un seul. Il y a sa personne, mais il va me sentir. Nous avons vu là-bas. Tu as parlé de comment? Aucun de ces gens-là qui étaient guéris n'avait reçu le Saint-Esprit. Après nous tourner côté, quand la matière va bien, bien qui va là, à ce point le monde s'entend tout. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer au ciel. Quand vous avez le monde s'entend tout, on vous dit de vous retrouver là. Amen. Première chose, première étape, c'est qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Et le quoi l'émotion, et une émotion, et c'est une cause à la molle du monde s'entend tout. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras sans force devant le diable. Tu ne pourras pas le combattre. Il est capable même de te mentir, de t'aveugler. C'est quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est plus fort que le diable. Plus fort que le sorcier. Parce que le Christ est déjà en lui. Le Christ, ça sert combien de catinaillé. Alors le Saint-Esprit est donné aux gens à partir de l'imposition des mains des apôtres. Et c'est vrai que personne n'a pas de bateau. Il y a Thomas. Un apôtre, c'est qui? Thomas Azrinani. C'est celui que Dieu envoie pour implanter son église avec la parole de Dieu. Partout il arrive, quand il annonce la parole de Dieu, après il invoque le Seigneur, et Dieu fait descendre le Saint-Esprit parmi les gens qui ont reçu la parole. Pierre l'a fait aussi dans la maison de Corneille. Quand il est arrivé dans la maison de Corneille, il a commencé à enseigner. Pendant qu'il enseignait, comme il était un apôtre, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Nous qui le tandis que le diacre Philippe, bien qu'il priait pour les gens, ils étaient guéris de leur maladie, mais ils n'avaient pas la capacité de prier pour que le Saint-Esprit descende sur les gens. Amen. Amen. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui est vrai. Ceux qui sont allés au baptême la fois passée, ils ont vu cela s'accomplir comme si vous allez à l'endroit du baptême. Ils ont été baptisés. Quand le pasteur André, qui a reçu l'apostolat du Seigneur Jésus, s'est approché pour leur imposer les mains sur chacun d'entre eux. Tous, il y en a qui ont commencé à parler la langue, d'autres ont commencé à voir la lumière qui venait du ciel, et ils ont reçu, ils ont senti la chaleur, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et je me suis senti tout léger, tout léger. Qui pèse, Et
Alors, le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Qu'on a passé comme il m'a ressenti. Parce que c'est lui qui a envoyé Pasteur André. Pour être bien de Moutatine, dit Pasteur André. Pour implanter son église à travers le monde. Pour la côté de l'église, d'ailleurs, on a 400 kilomètres. Il a mis des sites partout où j'arrive. Et c'est le point pour le peuple du Seigneur, ce gars est la Comaca. Amen. Où est-ce que j'aille? Et ce que je veux dire, partout où j'arrive. Le Seigneur ne sait pas comment. Ça se fait comme cela. Et c'est le Macandengo à la Kaka. Ça se fait comme cela. Et c'est le Macandengo. Pourquoi? Parce que le Seigneur, pour être colon, lui-même qui m'a envoyé. C'est lui-même qui m'a donné la parole de Dieu. C'est lui-même qui m'a établi dans ce ministère. Avec le pouvoir de planter son église partout. Alors sur toi. Bon, pour ceux qui ont, tu as été baptisé par un homme au ministère d'évangéliste comme Philippe. Au baptême, il y a un autre mot pour parler de Salomon, maintenant, mon père, mais le évangéliste, le connaît avec Philippe. Ou c'est parce qu'il avait prié pour toi, tu avais été guéri, tu avais vu quelque chose comme ça, tu quoi se manifester en toi. Tu quoi sembler que pour l'hôpital, la maladie, tout le monde est comme moi, tout le monde est comme. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas le Saint-Esprit. Bon, vous savez quand on a mon quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, tant que tu pas mon il le sait. Il n'a pas le pas en comment le régalier. Parce que quand le Saint-Esprit est en quelqu'un, tant que mon Saint-Esprit, c'est quand tu as le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes encore de Dieu. Mon lieu, mon sang, mon tâte, la carte. Mon lieu, mon habit, sur toi, ton zéro va dans l'ensemble. Et tu sens cela en toi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dans l'ensemble. Et quand, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu arrives devant un verre de bière, dans le jour où tu reçois un verre, comme un sanguin, tu vois, tu refuses. Au moment où tu as un peu de vin, tu ne peux pas toucher ça. La possible, la communauté, ça, oh, yo. Ça, c'est pas bon. Moi, je prends la réalité. Moi, je suis enfant de Dieu. Dans le jour où tu reçois un verre. Lorsque tu es devant un péché, un homme qui vient pour te faire la cour, te parler de bêtises, tu sens dans ton cœur, je ne peux pas m'attarder ici. Ce n'est pas un endroit pour moi. Non, moi je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas écouter ça. Donc, quand le Saint-Esprit est en quelqu'un, il te conduit dans la vérité. Partout où tu arrives, lorsque le mal se présente devant toi, le diable incarne le mal. Il vient dans les gens pour te parler. Et toi, tu vas le démasquer tout de suite. Parce que les le Saint-Esprit est en toi. Tu vas le couvrir. Celui qui me parle ici, dans cette personne, c'est le diable. Moi, je ne veux pas répondre. Je préfère m'en aller. Tu vas avoir un endroit où t'es joli. Comment est-ce que tu fais là-yo? En toi, tu sais déjà. C'est le diable qui m'est jugé. Je ne peux pas riposter. Tu ris, tu t'enfants. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Et lorsque nous prions, Dieu entend nos prières. Lorsque nous lui demandons, Dieu agit. Et nous l'accorde. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous sommes en communion mutuelle avec lui. Mais lorsque le Saint-Esprit n'est pas nous, nous nous demandons. Nous ne le recevons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Alors, pour vous, comment découvrir maintenant l'esprit de magie? Nous avons vu ici que l'esprit de magie était dans Simon. Et que Simon.
C'est-à-dire que le diable était dans Simon. Et lui, quand il avait le diable, il était dans Simon. Simon le magicien. Simon le magicien. Il faisait des grands miracles. Ah, bah, il faisait des miracles. Et les gens pensaient qu'il avait Dieu. Mais pas tout le monde connaissait que Simon a fait qu'il a sambi. Comme vous, les Congolais. Mais comme vous, les Congolais. Vous voyez beaucoup de pasteurs. Bonjour, ma pasteur est béni. Qui font des miracles. Vous pensez qu'ils ont tué. Vous pensez qu'ils ont tué. Oh, ce n'est pas ça. Tu sais que c'est le président de mon côté. Alléluia. Amen. Oh, ce n'est pas ça. Tu sais que c'est le bon côté. Oh, ce n'est pas ça. Tu sais que c'est le bon côté. Nous avons reçu un jeune homme. Tu n'as pas qui est venu m'en de mon corps. Vendredi. Donc on a vendredi au disque l'école dans cette église. Quand c'est l'église de Bissoyo. Il a été conduit ici par une jeune sœur. Et les gars, les sœurs, nous sommes encore à mon cœur, nous sommes en train de me faire. Parce que ce jeune homme veut le pousser. Pour être là, mon père, il n'y a pas là, moi, je suis là. Mais le jeune homme est vraiment tourmenté par les démons. Quand c'est l'église, mon père, il n'y a pas là, ma casse, ma casse, ma casse, ma casse. Il est arrivé ici, il trembloté, il disait, je suis arrivé ici parce que mon jumeau, il veut me tuer. Nous sommes des jumeaux. L'autre est à Lubumbashi. Le pasteur n'a pas de Lubumbashi. Il veut me tuer. Pourquoi? Il veut te tuer. Oh, il veut me tuer. Parce que nous sommes venus de monde sous-marin. Pour nous, nous sommes venus dans mon pays. Il y a ah bon? Oui, il y a ça, non? Oui. Ah. Nous sommes venus de là. De l'Otakuna? Parce que notre mère ne mettait pas au monde. Oui, maman, la question, à Banakobotate. Elle est allée voir un féticheur à Lubumbashi. Avec un côté, on a qui s'est montré à Lubumbashi. Et nous sommes allés dans un. Maman, on l'a amené dans un lac. Mais maintenant, on a dit ça. Le petit avait invoqué. Dans la question, il y avait le lac qui pesait. Et il avait dit à maman, il va concevoir. Alors, il a dit à maman, c'est quoi que ça s'est mis? Le roi qui suivait, maman a conçu et a mis au monde le jumeau. C'est nous voilà, nous sommes avec le monde. Ça, c'est la lettre, maman, c'est qui s'est mis. Bon, mon côté, par ma part, c'est un tel ami, c'est un qui n'a plus de route à ma fille. Mais depuis notre enfance, ça se met pas devant la mission. Notre biberon à nous, il y a du sous-biberon, il y a comme là. Chaque semaine, pour ce soyo, notre maman nous donnait à chacun d'entre nous un sachet du sang humain. Maman, elle nous a dit que pour ce soyo, nous avons dit que nous avons sachet, yamakila, yabato. Chaque semaine, pour ce soyo, nous avons un sachet du sang humain, nous devons boire. Nous avons un sachet, mon frère, yamakila, ou esegri, tomela. Sang humain. Makila, yabato, esegri, tomela. Chaque semaine. Pour ce soyo. Mais maintenant, Kassika, hein? Moi j'ai décidé d'aimer cette jeune fille qui prie chez vous. N'est-ce que la soeur Mokana Kolinga, moi la soeur le roi semble qu'il parle de l'Awa. Maintenant, mon frère Jimon qui est à Lubumbashi, comme il est plus puissant que moi dans la magie, dans la puissance satanique, le passe dans le gars, il va se dire quoi? Il va se dire le quoi? Il va se dire le quoi? Il va se dire. Et en colère, il a dit pourquoi tu as choisi d'aller dans cette église là. Cette église là c'est quoi? La Gisèle. Ah c'est ma carte, ma carte, c'est quoi ma carte? Pourquoi nous aussi, mon carte de l'église soit là? L'église est l'ennemi à Gisèle. Alors, Bongo, il a décidé de me tuer. Ah si tu peux faire mon carte pour mon carte. Il commence à m'attaquer par des maladies. Ah comme nous, comme on dit, mon petit frère, la maladie. Quand maman a vu cela, ta maman a mouru Bongo. Elle m'a conduit chez un imam musulman. Alors, mes gars, musulman. Dans une mosquée. Ma mosquée, mon pauvre, dans la mosquée. Cet imam m'a invoqué, a invoqué. Mon camarade musulman, on a appelé, Il m'a regardé. Il a dit, mais il n'y a pas moyen de chasser l'esprit qui est en toi, parce que c'est toi-même. Alors, arrêtez. Moi, je vais te dire que 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 il n'y a pas moyen. Moi, il y a combien d'années il était. Salma s'est découragé. On l'a amené chez un prêtre en Gadiema. Maman n'a pas encore été découragée. Mais il ne se fait pas sans le mot qu'on est en Gadiema.
Le prêtre a évoqué aussi. Sango un père, quel est le père de il y a un prêtre qui fait des miracles là-bas. Il a aussi évoqué sa puissance. Il a appelé le père de appelé lui. Alors l'enfant a dit, moi n'en pas le but. Je n'ai pas compris. Ma comprenait qu'il et subitement, j'ai vu, je me suis transformé. Qui va changer qui ce côté, j'étais un homme. Et pas de la zéla qui m'outrou. Mais en bas, j'étais le serpent. La seule la zéla qui se yoka. Devant tout le monde. Et parce qu'on a toujours ce que alors, bon goût. Comme ma fille ici, moi je l'aime beaucoup. Et je sais qu'elle prie là où il y a Dieu. Le colombo n'a pas sonné, mais qu'elle n'est pas la bête. Assemble la question à Mazali. Alors c'est comme ça que nous sommes entendus pour qu'elle nous conduise. Mais quand je suis venu sur le chemin, tu as dit que tu as fait la question à Mazali, c'est là. Je ne veux pas citer une église. Mais vous ne pouvez pas l'église, c'est mais vous-même, vous savez, les églises sont sur le chemin pour venir à la HSM. Commençant par le virage jusqu'ici. Virage là-bas. Virage à Solombo. Virage à Solombo. Virage à Solombo. Là-bas. Kuna. Avant de venir ici. Il y a combien des églises là-bas. Dans l'église de l'Église. Alors, c'est lui-même qui dit. Lorsque nous sommes arrivés à tel endroit, j'ai dit tu emmènes ici. Elle a dit non. Maman m'a sélébité. Elle a dit ah bon, si c'était ici, je n'allais pas entrer parce qu'ici j'ai prié avec elle. Alors monsieur qui s'est arrêté, mais il y a une côte à l'autre. Pour avoir la sèvre dans le bango, ils n'ont pas Dieu. Basile n'a pas bêté. J'ai prié avec elle du pain. La sèvre dans le bango, on a la peine. Ils sont ici à Bandai. Basile à Bandai. Ils n'ont pas Dieu, je connais les gens. Basile n'a pas été resté ici en haut. Ils sont des nôtres. Basile n'est pas une mission. Ils sont venus jusqu'à quelque part là. Bah, il peut, bah, l'équipe a commencé comme soukou là. Il a aussi avoir été devant une église là-bas. À commencé comme ça. Il dit, c'est ici. À tous les élèves, on a fait, elle dit non, c'est devant. Moi, je me suis dit, ah, tu me dis, tu me dis, je n'entre pas. Ah, et puis c'est ce que nous allons porter à la protection. Ce pasteur-là est de notre. C'est le pasteur à Kouna, c'est le pays à Bissopé. Alors nous lui avons demandé, comment tu connais ce pasteur-là? Il a dit, nous avons des signes. Ces signes-là, nous sommes quand tu regardes, tu vois, il y a un chimpanzé là-bas devant. Mais un gorille, un serpent, un chair. Vous ne voyez pas, mais nous voyons ça. Nous avons la montée qu'à Sibou sous la Kayango. Alléluia. Il a dit, vous ne voyez pas, mais nous nous voyons ça. Je vous dis ces choses, ça s'est passé vendredi, et les garçons sont là. Tu peux aller me rencontrer si tu veux voir ta bouche de tes oreilles. Mais si vous êtes ma vendredi au ticket de car. Moi, je vais vous dire que nous sommes là, au cours de la vie, au cours de la vie, il a dit, je suis arrivé ici chez vous. Alors, bien, la femme n'est pas la vie, non? Mais vous avez une flèche là-bas, puissant là-bas, devant, qui flèche les gens, ça aveugle les gens. Mais c'est là, moi, je me suis dit, je suis arrivé ici chez vous, et je vais vous battre la mission, mais là, comme on m'a dit, nous sommes là. Pourquoi vous avez des flèches comme ça? Vous avez dit, mais c'est la présence de Dieu ici. On a dit, mais c'est la présence de Dieu ici. J'ai mis ce que j'ai dit, pour celle de la zambe. Ah oui. Il dit, je sais. Alors, il est bien, vous. Il a tenté de paralyser le pasteur Jean. Ah, mais qu'est-ce que ça? Pourquoi est-ce pasteur Jean? Il a croisé le bras comme ça. Rien. Il a touché le téléphoner. Ah, mais quand le téléphoner a mis ce pipo. Rien. Lui-même, il a compris. Il y a mon pas sur la qui? Que Dieu est ici. Il a cherché à fuir. Avec une soie qui va. Arrivé sur le pont. Bah, comme la porte, ceux qui le pourchassaient ont commencé à tirer sur lui. Il a failli tomber là-bas, il est rentré. Il a dit, mais ici je brûle. Ici je brûle. Je brûle. Amen. Vous avez besoin de ça, vous comprenez, pour comprendre, pour que vous puissiez vous réveiller. Vous ne pouvez pas vous réveiller. La maison de ma fiancée. Alors, de la boutique au sol, Gaël est dans la fiancée dans Gaïo.
Vous lui demandez, mais comment tu entres là-bas? Oh, je tourne, disons, la fenêtre fermée, mais la porte du salon, souvent, elle est ouverte. La porte de fenêtre, là, qu'on a pas encore bacané, qu'il y a une porte à salon, c'est qu'à fond. Quand la porte du salon est ouverte, dans la porte à salon, il est à fond. Ça signifie que papa et maman, souvent, il y a des tirs, ils m'ont mis d'autres. Et je vais te cacher, papa et maman, pour porter la tombe d'Anna. Maintenant, vous dormez avec la porte ouverte. Si vous avez posé la porte, la lumière est là, il y a des gens là-bas. Et il va là-bas pourquoi? Ah, après, il va là-bas pour la nuit. Parce que depuis qu'il a eu sa fiancée là, il va là-bas la nuit pour lui sucer le sang. Alléluia. Amen. Maintenant, vous commencez maintenant à bouger sur le bas. Vous voyez les films que vous voyez à la télé, vous voyez ma film, vous voyez la télévision, on a les vampires qui ont les dents ici, qui sucent le sang des gens. Vous voyez ça à la télé, non? Vous voyez la télévision, mais ce sont les choses vraies que les blancs ont vues dans le deuxième monde et qu'ils font, qu'ils vous mettent ça à l'écran, vous vous aimez ça pour voir ça. Et vous voyez la seule chose que vous avez mis dans la télévision, vous voyez parce que la télévision va être simulée en gros. Alléluia. Je ne vais pas m'adapter. Il y a beaucoup de noms, même de pasteurs, qui sucent aussi comme ça, des sangs de leur femme. Nous nous connaissons, mais je ne peux pas citer leur nom aussi. La combattre de ma composer les bénévoles. Là, comment va pasteur aussi va nous faire mettre la cape. Ma clé à pasteur va monter loin. Qu'est-ce que tu fais? Amen. 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 Je vous dis ces choses. Nous savons déjà ça. Qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers? Pourquoi nous sommes combattus? Nous savons déjà ça. Pourquoi on nous a mis des églises à gauche à droite? Nous savons tout ça. Nous savons aussi quels sont les esprits qui sont là-dedans. Ils perdent contre nous. Alléluia. Parce que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est à nous. Vous voyez, amen. Amen. Je vous dis ces choses. Si vous n'êtes pas capable de discerner l'esprit de Dieu, de l'esprit de magie, vous allez partir en enfer. Ce que vous avez dit, ma coquille à coquille, c'est ça. Tout le monde a coquille, c'est lui. Quand c'est lui, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Il y a ça pour que vous n'avez pas ça. Si moi, vous faisiez des miracles. Si moi, vous faisiez des miracles ici. Mais les gens vous donnaient de l'argent. Quand c'est pas de l'argent, vous pouvez essayer. Bon, bon. Pour voir la puissance des miracles là. Pour la commande en bouillard, il y a des miracles ici. On lui payait. Quand il a vu maintenant les apôtres imposer les mains aux gens, si vous êtes dans l'équipement, et le Saint-Esprit te donnait, il t'a dit, prenez l'argent, donnez-moi aussi ce pouvoir-là. Comme ça, quand je vais poser la main à quelqu'un, il va recevoir le Saint-Esprit, la puissance, et il va me donner de l'argent. Alléluia. Beaucoup de ces pasteurs magiciens-là, ils sont allés chercher la magie pour avoir de l'argent. Je vais en parler. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est pour ça? Actes des apôtres, chapitre 16. Mais c'est là qu'on tombe en comparaison dans mon tombant. Du verset 16 au verset 21. Pouvez-vous me tenir un peu debout parce qu'il y en a qui commencent à s'endormir là-bas. Bon, vous comptez la matinée, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit de Python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous.
et criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Cela pendant plusieurs jours. Paul excédé se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit alors même. Alors Paul a demandé à Balou qui parle de la molimé en gros, la deuxième multitude n'a comme l'Esprit, demande à moi seul. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent au prêteur et dirent, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui proclament des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de pratiquer à nous qui sommes romains. Alléluia. Amen. Asseyez-vous bien aimé. Vous voyez bien ce qui est capable de faire un esprit de piton. Cet esprit est capable de couvrir qui tu es. Tu arrives à un endroit, on prophétise même ta vie. Quand tu travailles au marché, n'est-ce pas? Tu fais ceci là au marché, tu vends des choses. On te prophétise même ce que tu fais. Tu prophétises cela, c'est un prophète. Tu crois à le suivre, tu vas lui donner ton argent, parce qu'il m'a dit, il a reconnu qui je suis. Mais il faut bien regarder. Et c'est le côté. Il prophétise. Il te dit la vérité. Mais derrière, il prend quoi? L'argent. Bon. Oh, l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas monnayer ça. Dès que tu monnayes ça, ça s'arrête, le temps s'arrête. Tu ne peux pas monnayer les dons de Dieu. Parce que c'est un don gratuit. Dieu t'a donné ça gratuitement. Ça, personne n'a offert. Tu m'as aussi donné gratuitement. Le Seigneur peut être ce père qui a offert. Amen. C'est comme cela. Et dit bon. Mais chez le diable, que c'est pas la sable, l'esprit du diable, c'est l'argent, et c'est la candembendo qui va primer en tout. Mais c'est elle qui a négocié à l'osso. En tout et pour tout, quatre années, c'est dans ma l'argent. La on prophétise pour l'argent. Pour la mongo. On va venir comme tu veux aller voir le prophète. Bah, que le balayon. Le coup de l'autre côté de la Moussakoli. Donne d'abord les femmes des prophètes. Ah, personne ne peut poser à Moussakoli alors. Dans ces églises-là. Cache l'église, tu viens passer devant les prophètes. On ne peut pas se voir que vous savez. Donne d'abord les femmes des prophètes. Personne ne peut poser à Moussakoli alors. Et toi, tu prends. Oh, c'est combien? Tu dis combien? Oh, 20 dollars. 20 dollars. Ça, c'est déjà le commerce. Ouais, mais c'est combien encore, mon bon monde. Que tu aies là-bas. Attends, qu'on prophétise des choses vraies. Attends, ma sœur, qu'il y a des sorciers comme ça dans ta famille. C'est ta tata moi aussi qui t'a envoûté. On peut te dire tout. Mais tu n'auras pas le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu as donné ton argent. On va te dire ces choses-là. Tu peux être vrai, mais tu n'auras pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez mon sainteté? Bien d'abord,
écoute-moi. L'esprit de Python, l'esprit du serpent, sa prophétise, c'est le diable. Diable prophétise ici. Il prophétise. Parce que les démons sont partout. Ils se promènent dans l'air ici. Ils te connaissent. Toi, tu ne vois pas, mais ils te voient. Ils sont capables de te dire toute ta vie. Mais ils ne sont pas capables de te délivrer de la main du diable. Ils sont incapables. Parce que le diable ne peut pas combattre le diable. Impossible. Et quoi ça le Ils vont tenir tout. Mais ils ne peuvent pas enlever cela. Ils peuvent même te prophétiser qu'il y a la mort devant toi. Mais ils ne peuvent pas enlever ça. Parce qu'ils savent qu'ils ont la destinée de te tuer. Et ils vont accomplir cela. L'esprit du diable. C'est un esprit de cupidité. Nous allons lire cela pour vous. Donc, on va lire pour la Bible. Dans 1 Jean au chapitre 4, on dit bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits. Pour savoir ici s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Amen. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venez en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Quand vous avez appris la tenue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui prophétise. Il prophétise, même il parle en langue. Mais dans sa langue là, il ne parle même pas de Jésus. Il ne parle même pas de Jésus. Il n'a aucun nom de Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Et reconnaissez ces choses. Quand le Saint-Esprit parle, dès que tu me sépares la bouche, le souffle te prend. C'est un Jésus. Mais quand c'est l'esprit de ce diable, quand ça vous donne une la Dis seulement au nom de Jésus, il va tomber. Même si tu es pasteur, il va tomber. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce sont des formules magiques. C'est toujours une formule magique. Il invoque le démon pour nous faire tomber. Alléluia. Je vous révèle tous leurs secrets. La vie pour le secret.
jeter le nom de Jésus parce que lui, c'est le diable, il ne peut pas jeter le nom de Jésus. Il peut parler dans la chair comme ça. Le nom de Jésus. Mais en esprit, sous l'impulsion de l'esprit. Il ne peut pas sortir le nom de Jésus. Jamais. Parce qu'il n'a pas Jésus en lui. Il a d'autres choses. Mais sans citer le nom de Jésus. Parce que l'esprit qui l'anime là. Pas l'esprit de Jésus. Amen. Et puis, vous devez savoir cela. L'esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus n'est pas de Jésus. Vous voyez un pasteur. Bon, un pasteur, il commence à vous dire. Comment je suis au nom de Dieu? Prenez même ma photo. Si vous portez ça sur vous, ce qui est pour la tienne, c'est fini, Dieu est avec vous. Et si le président va s'accommoder à la ville, c'est un magicien. Alléluia. Alléluia. Vous voulez quand vous enfermez? Alléluia, si non. Ce qui m'a mis quand il y a un d'accord, citez seulement mon nom. Vous dites seulement, Pasteur Harry, viens me secourir. D'accord. Ça, c'est déjà de la magie. Moi, les secours, c'est le cas. Alléluia. Il y a des pasteurs qui enseignent ça dans les églises. Pasteur, vous me connaissez. Les gens sont là-bas pleins. Oh, tu, quand tu t'enfermes, tu dis seulement, Pasteur André, viens ici. Oh, c'est comme quelqu'un qui est dans le cas. Pasteur André, la carte. J'ai besoin de toi, tu veux me secourir. C'est là, vous savez, la carte sur l'Angayawa. Non. T'es? Non. Parce que l'André n'est pas mort pour toi sur la croix. Parce que l'André a couffaté pour le colonel. Celui qui est mort sur la croix pour tous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est vrai, il arrive, les gens disent, le Dieu qui est dans Pasteur André. Et je sais pas, monsieur, le bête, ça doit être la question de Pasteur André. Dieu le secourir. D'accord, sur l'angaï. Parce que c'est Jésus qui est en lui. Pour te secourir. Mais quand tu dis non, pasteur André vient me secourir. Pasteur André ne peut pas te secourir. Parce que le but est, pasteur André est sur l'angaillard. Pasteur André est sur l'angaillard. Amen. Amen. Parce que les pasteurs ont détourné ça. Pour être ma pasteur va chercher, va bonner le coin là. Il faut porter aux fidèles le bracelet avec leur nom. Parce que quand tu vas dire le bracelet, va vous mettre là, va tomber la bambou. Oh, si tu portes mon nom, oui, c'est bon, tu, comme tu es protégé. Oh, sinon, tu vas te la messie. Ah! Bon. Pasteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Alléluia. Ils ne peuvent même pas mettre les pieds ici à la GCM. Bah, nous, chers, on a bambou à ta mouquette à la GCM. Parce qu'ils connaissent le fait qu'il y a ici. Pour être un homme mort, c'est bien voir. Il sait là où il y a Dieu et là où il n'y a pas Dieu. Bah, il sait qu'ensemble, le Père sait qu'ensemble, il était. Et il sait. Bah, on va dire comme la mort. Il ne viendrait jamais là où il y a Dieu. Bah, quand on va la mort, le Père sait qu'ensemble, il était. Parce que pas qu'on s'en voit. Parce que pas qu'on s'en voit. Il ne peut pas venir. Bah, il a mort pour être. Il se voit te dire, pourquoi pas la Bible d'abord, pourquoi pas la mort. Après, vous savez, pourquoi que je vienne chez vous, vous n'avez pas commencé par venir chez moi. Parce que quand vous allez chez lui, vous avez désobéi à Dieu et Dieu ne sera pas avec vous. Pourtant, pour ceux qui ne prennent rien, pour que vous êtes ensemble, pour que vous ne prenez plus le reconnaître. Amen. Parce que lui, c'est le diable. Pour être hier, c'est la candidature pour mon salaire. Il ne sait pas Dieu. Alors, vous savez, les hommes ont salaté. Tous ces gens-là, bah, tu l'as souvent, hein, qui ont pris la place de Christ dans les églises. Bon, parce que c'est qu'il y a Christ sur la église. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Bah, c'est la brume ensemble de Dieu. Je donne encore un autre exemple. Vous voulez accéder au sous. Baba, Kassiambo, on a fait ça. J'ai dit d'abord dans Romain. La première langue qu'elle a parlé, moi. Ce que vous voulez dire, c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 1 au verset 6. Oui, pour l'autre côté, c'est pour Kanda et Yohan, et la Yambo, vous comprenez. Bande, il y a un peu de temps, il y a un. Je vais vous montrer un passage dans Romain. La flexibilité, c'est comme qu'on a fait ça par le moi. Que vous devez bien retenir. Oui, c'est que vous pouvez faire ça, maman ou maman.
Je veux dire cela. C'est Paul qui parle aux Romains. Paul est bien sûr que le baron. Je vous exhorte, frère. Mais nous ne pouvons pas suivre notre livre en découvert. À prendre garde à tous ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Bon sang, la cœur va présent. N'a pas besoin de côté ça. Bon capoli, cache la bateau. Bon, parce que nous pouvons dire, Mathéo, oh, le bon sang qui. Okima Batouana. Car de tels hommes ne servent point notre Seigneur, mais leur propre ventre. Parce que nous sommes dans la colonne la bisouté. Car c'est parce que nous sommes dans la colonne de Boumou, la bande Moko. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour la maroba, il y a soukain qui peut l'écouter. Parce que nous sommes dans la colonne de la bateau, parce que nous sommes. Amen. C'est clair. Est-ce que vous pouvez. Ils font ça pour de l'argent. Ils servent leur ventre. Avoir de l'argent. Bien vivre. C'est fini. Et si vite. Mais ils ne servent pas le Christ. C'est pourquoi ils sont allés chercher la magie. Et ils disent l'ordre de Melchizedek. Non, ce n'est pas le vrai Melchizedek, Jésus-Christ. Mais c'est le saint Melchizedek. Un homme de l'âme mystique de magie. Et ces gens-là, dans les églises, les offrandes, n'ont rien. C'est quand le pasteur prêche comme je prêche là, il faut que le fidèle se lève pour venir sceller l'argent. Alors il va déposer là-bas au pied du pasteur. Et c'est le pasteur. Sur le tapis là au pasteur petit. La tapis aussi pasteur qu'on a pignaté. Pour qu'il y ait une grande bénédiction. À la fin du culte de la prédication, le pasteur lui a beaucoup d'argent. Pasteur est pas un bon gars. Pour lui, voilà. Ce qu'on va mettre dans le panier, c'est les 100 francs, 500 francs. Mais les tolards qui sont là, pour le pasteur. Mais vous ne comprenez pas ces choses à la télé. Vous savez, vous faites pris dans des églises comme ça. Mais ce pasteur-là, mais il prêche pour le ventre. Parce que dans l'église de Dieu, être l'église d'assemblée, le seul chef là-bas, c'est qui? C'est Jésus. Mon cousin, mon père, mon cousin, c'est Dani. Jésus. Si tu vas aller donner ton aider le pasteur, mais l'argent, pas lui donner l'argent à la maison. Sauf que le monsieur a passé dans mon monnaie, que le pasteur mon cousin n'a pas payé pour là. Ben, il faut attendre l'argent. Que le pasteur n'a pas payé pour là. Mais quand vous êtes dans l'assemblée comme ça, l'église c'est la maison de Dieu. L'église c'est une belle dans l'assemblée. Le trône de Dieu descend là-bas. Puis c'est beaucoup d'assemblées qui descendent. Le seul roi là-bas, mon cousin, comment ça va pas? Qui on doit porter des offrandes, c'est qui? C'est Dieu. Oui, c'est la traînée de mon cousin. C'est une année à cette assemblée. Et Dieu, est esprit, à sa camolimo, nous tous, nous sommes quand nous venons là-bas, quand nous sommes devenus les membres du corps de l'église. Donc, comme une dépitaine, il y a un seul de l'église. Amen. Alors, nos offrandes, doivent être faites au nom de Dieu. Le Seigneur peut se demander à comment on a servi. Mais quand vous voyez quelqu'un qui prend la place de Dieu, car selon moi, nous pouvons aussi qu'on a servi. Dans l'église, quand l'église, un pasteur, pasteur Sobolo, qui dit comment je prêche, mais quand les écoutez cette parole, vous entendez, vous devez donc sceller ça. Et c'est le présent, vous le mettez la parole de nous, vous pensez sur le poids à vous. Ah, mais le pasteur il vend la parole de Dieu. Quand ce pasteur en haut, à ce côté, il le rassemble. Il vend la parole de Dieu. À ce côté, il le rassemble. Et vous, baby, non. Comment vous voyez ça? C'est un magicien. C'est qui? C'est un magicien. C'est un Simon. C'est Simon que Philippe avait croisé à Samarie. Oui, Philippe a croisé à Samarie. Qui prend son mouchoir blanc comme la couche des habits des enfants là? Attends, quand ma tête a mouchoir, il y a moyen de prendre le couche à Banawana.
Tu te jettes dans du temps, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est la présence de magie qui est là-bas. Parce que ce qu'il a fait là, Dieu n'est plus là-bas. Dieu n'est plus là-bas. C'est Satan qui est là-bas. Vous pensez que vous donnez à Dieu? Non. Hein? La parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est gratuite. Et c'est laquelle nous avons fini. Alléluia. La parole de Dieu est gratuite. Mais le c'est la candidat au fait. Les offrandes qu'on fait dans la maison de Dieu, mes frères congolais, c'est pour Dieu. Bah, les prénoms pas congolais, mais moi, c'est pas parce que l'endroit qu'on a ensemble, c'est la candidat pour l'ensemble. Si tu veux donner un pasteur, ça va nous appeler un pasteur. Je vais terminer le culte, je vais descendre en bas. Mais aussi, ce matin, il y a la candidat qu'on a fait. Pasteur, je t'ai réservé ça. Pasteur, la première que le coup. Tu donnes le pasteur. Après ça, on a pasteur. Mais quand nous sommes ici, comme je suis là, mais là, c'est quoi pour maman, il y a que le maman. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais encore au début du ministère. Mais c'est quand on s'est rendu compte qu'il y a été là, Zambé. Au début, je ne connaissais même pas comment me tenir devant les gens. Ça fait déjà plus de 20 ans. Hein? Et c'est très longtemps. Et si l'équipe a voulu parce que dans ma jeunesse, j'avais l'habitude pour moi quand je connais jamais la main dans ma poche comme ça. Mais mes pantalons sont déchirés souvent ici. Parce que je mettais souvent la main dans la poche. Voilà, pendant que ça m'a beaucoup mis dans la poche. Et quand j'ai commencé le ministère, j'avais à peine 30 ans. Pourtant, la belle comme cela est tinta. J'avais toujours cette habitude là. Un dimanche, je parlais, j'avais la main dans la poche. Beaucoup de dimanches, c'est pendant que le bas, dans le bas, dans la poche, vous voyez. Je parlais, j'avais la main dans la poche. Mais le bas, dans la poche. Je ne savais pas que c'était mauvais. Je suis rentré chez moi. Je priais. La campagne que je voulais dormir. J'entends la voix du Seigneur qui m'appelle. André, qui t'a dit que le Seigneur veut la main dans la poche? Mais il dit que tu veux pas dans la poche. Tu veux pas de l'exemple de ces gens-là? Que j'ai rejeté. Je ne fais plus jamais ça. Mais c'est sûr que moi, les hommes qui viennent devant toi ne sont pas tes hommes. Tu n'es pas leur chef. C'est moi leur chef. Pas la main dans la poche. Dans la poche t'es. Tu attends. Oui. Ne fais pas ces choses. Pas je tremble comme ça. Je commence à t'applaudir. Ah. Bon. Tu ne sais rien. Mais c'est comment? Donc tu as dit tout ça. Ah, voilà tout le soin là. Moi, je dis, Seigneur, pardonne, moi je ne savais pas que c'était moi. Mais le il va quitter le qui m'a je ne veux plus forcer. Mais parce que moi, il m'a formé avant de m'envoyer dans ce ministère. Pour corriger les erreurs. Pour corriger les erreurs. Pour corriger les erreurs. Le Seigneur m'a beaucoup appris. Au début, je ne savais pas. Mais il m'a enseigné toujours. Et j'avais l'habitude aussi. Si j'ai chaud. Comme on habitait peut-être maison, je prends la culotte. Je vais m'acheter, je commence à prier. Seigneur, oh, quand je prie, une nuit je dors. Je vois, je suis en culotte. J'arrive sur l'avenir. J'ai hâte de sortir sur l'avenir. Ah, il y a des gens. Je me cache. Je vais là-bas, je me cache. Et il y a des gens qui vont me voir. Il y a des gens. Et j'entends une voix qui me dit. André, tu te caches devant des gens, n'est-ce pas? Parce que tu vois que tu as porté les shorts. Prends-moi, tu vas te couper. Moi je dis oui, mais devant moi, tu te tiens comme moi. Pourquoi tu n'as pas peur? Pourquoi tu n'as pas peur? Comment je dois faire? Quand tu pries, tu dois bien t'habiller devant moi. Parce que je suis là, je te vois. Je dis ah. Seulement les cœurs, non? Qu'est-ce que tu veux répéter? Zamo, à moi, la carte, comment tu as dit non? C'est moi qui ai créé l'homme pour ma gloire. Gardez-moi la carte, mon dos, pour la Bible. Pour la Bible.
Les sacrificateurs se tenaient devant moi. L'ancienne alliance. Je leur demandais que leur donne des caleçons, tout ça, pour qu'ils puissent, que leur nudité ne puisse pas être vue devant moi. Moi je dis, ah, c'est comme ça. Oui. Et enseigne cela aux hommes. Quand ils s'enferment dans leur maison, mais maman, qu'ils ne mettent pas le. Pas ici la patrie. Non, non, parce qu'il fait chaud. Ils m'honorent pas. Ils doivent s'habiller contre. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas? Oui, c'est la capote de terre. Elle qui regarde par terre. Ah, on va se faire. Applaudissons le Seigneur. Le Seigneur contrôle tout. Comment contrôle la canaille? Il contrôle tout. Voilà contre la canaille, c'est dans sa maison, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le lieu où éclate sa gloire. Et bien, quel bonheur est-ce que ça m'a dit? Si le magicien vient ici, c'est quoi que cela va il voit la lumière, le feu ici. Mais comment la mouette, comment la mouette, c'est la présence de Dieu ici. Et je vais vous dire que ça va alléluia. Nos offrandes, les dîmes doivent être faites en son nom. Ma pense, ma beaucoup la vie, c'est le peste à mander la congolaïe. Pas pour le ventre du pasteur. Casse-t-il pas du bon pasteur? Non! Il ne peut pas vendre la parole de Dieu. Arrêtez de faire le balazabi. Non! Ça ne lui appartient pas. C'est la parole de Dieu. Évitez le balazabi. Tu ne peux pas vendre cela. Évitez le pégayango. L'esprit de Dieu. Mon le balazabi. Il agit d'une façon offérée. Et c'est là qu'il y a des gens qui ont offéré. Lorsqu'on commence à mener ça, vous rencontrez le pasteur, vous achetez là les macarons, macarons, $20. Il y a une église là-bas. L'église, vous avez une grande église. Ah, église, je ne peux pas citer le nom. Parce qu'il y en a un qui pense que je suis contre les gens. Pour s'asseoir à côté du pasteur. Pour la convaincre, pour mettre le pasteur Boyer. Mettre les chaises là-bas. Nous savons que dans la suite des temps, il y aura des gens partout. Quand on va tenir l'église, certains parmi vous, parce qu'il n'y aura plus assez de place, vont commencer à s'asseoir ici partout. Vous avez vu les femmes aussi de cette église, vous êtes posé à Bélé. Lequel vous avez dit que 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 et vous êtes là, on fait là, on fait là. Dans ces églises-là. La baguette, là. Pour que tu aies une place là-bas. Oui, pour que tu aies une place là-bas. Tu vas payer $200. Et c'est aussi $200. Tu vas payer combien? Aussi, t'as combien? Vous commencez à regarder par terre. Ah, on va aller tout à l'heure danser. C'est l'église que vous voyez là. Baguette, vous êtes comment on va là? Il y a une maman que vous voyez à la télé là. Ma maman n'est pas dans la télévision, hein, non? Bien habillée avec des bijoux partout. Bah là, tu peux te faire des bijoux. Avec des cabelles jusque là-bas. Là, ma cabelle, tu es dans le monde. Tu sens là-bas tous les pasteurs. Bah, mais je sais que c'est là, les pasteurs, hein, non? Ces chaises-là. Bah, qui tu as, non? Elle paye ça $200. Bah, tu te la cargo, $200, mon bimba. Chaque dimanche. Mon collègue, dimanche, non, ça. Maman, frère. Maman, frère. Moi, la quitte, c'est là-haut. Un argent de ta chaise. $200. Parce que la dîme approche. Le pasteur approche ça. Alléluia. Vous connaissez ces églises là. Il y en a qui sont déjà des noms. Mais l'église là, on se retrouve dans les terres. Comment tu peux vous vendre? Allez, nous parlons, c'est plein là-bas. Ah, vous que le bar est tout dit là-bas, tout là. Vos frères sont partis là-bas. Bah, le premier, la télévision, on allait voir les miracles. Bah, écoute, écoutez, avec un monsieur. C'est le diable qui est là-bas. Sa volonté à Zébikouna. C'est le bâtir. Et c'est les abéti. C'est le diable qui est là-bas. C'est le bâtir. Et c'est les abéti. Parce que la grâce de Dieu. Dans l'église de Dieu. Dans l'église de Zambé. Elle ne peut pas faire l'acception de personne. Bah, vous avez besoin de pour les bateaux. Ceux qui sont riches. Bah, voilà, vous suivez. Doivent venir auprès des pasteurs. Bah, vous pouvez les pasteurs. Les pauvres. Bah, voilà. Ils doivent être là-bas, éloignés. Bah, c'est le problème aussi. Dieu n'est pas là-bas. Zambé a dit que c'est qu'on a été. Dieu n'est pas là-bas. Zambé a dit qu'on a été. La Bible dit, c'est lui qui méprise les pauvres. Voilà, il créa lui-même. Vous ne serez jamais entendu parler. Alors ça signifie que l'homme là, pasteur, il va te monter la porte. Il va te briser les portes. Comme Dieu lui a fermé la porte, il s'est tourné vers le diable. Il y a un peu de la main en lui. Vous voyez ces choses au Congo. Vous voyez ces choses au Congo.
vous allez toujours là-bas. Vous voyez un pasteur. Qui se sert de son statut de pasteur. Mais là, il veut se faire venir avec ça pour devenir, je ne sais pas, député ou devenir qui, parce qu'il va maintenant avoir beaucoup d'argent. Il a profité de pasteur pour comme invité. Ce qui député, ce qui n'a pas comme ce que n'a pas de bel et cas. Il faut qu'il soit connu. Et c'est ce qu'il y a pour les amis qui. Qu'il soit, je ne sais pas, président d'une grande équipe de basket ou de football. Alors, ce qui est président d'une équipe de basket, ce qui a balle de football. Parce qu'il veut là, être bien connu. Parce qu'il est taillé par le square en dégâts, madame Koleka. Il n'a plus de Dieu. Avec le son, nous embêté. Il n'a plus de Dieu. Avec le son, nous embêté. Il a déjà abandonné Dieu. Avec ça, son béni, nous embêté. Dieu n'est plus là-bas. Zabé, le soukoulaté. Alléluia. Amen. Parce que. Un pasteur, un ministre de Dieu tel que nous sommes là, pour être pasteur présent, ministre de la Zambé, nous sommes tous les c'est un grand travail. Et vous êtes présent. Nous sommes donc, vous donnez, mais moi je ne presque pas. Vous pouvez demander à ma femme de vous dire ça. Bon, vous êtes le pasteur, c'est bien, amour. Et c'est vous donner, tu n'as pas le temps de dormir. Vous êtes le pasteur, vous êtes le temps de la pauvreté. Parce que toute la vie, si tu es dans le combat avec les diables, il y a des combats permanents. Tu n'as pas le temps. Il y a des gens qui peuvent être à côté de toi, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas s'approcher de toi parce que les diables viennent là pour t'attaquer. Tu ne sais pas quoi faire dingue ça. Il y a quand même un problème d'ailleurs. Alors dis-moi, comment tu vas avoir du mal à faciliter toi, le ministre de Dieu, le ministre de Nazar, d'aller se faire avec des païens, manger avec eux, tu ne parles pas de l'évangile, mais tu parles de la politique, tu parles de sport, impossible. Et c'est la carte. Satan va te tuer là-bas. Ça, c'est pas la moins que tu appartiennes. Ah, mais ça va donner mon tuyau. Il va te laisser. Voilà, petit cadeau. Sinon, ce que moi j'ai dit, c'est que tu as signé ta mort. Il n'y a pas signé le roi d'ailleurs présent. Il va te tuer. À quoi moi est présent? Quand vous voyez quelqu'un faire cela, c'est comme moi que vous avez dit que c'est la mort. Avec une situation. C'est le pas Dieu qui le sait. Et vous les avez attendu à ce que ça est de vous. Dieu n'est pas là-bas. Ça va se révéler. Comprenez, ouvrez les yeux. Si ce qui a bloqué ce pays ici, parce que beaucoup de gens prient dans les églises croyant que Dieu est là-bas. Oh, Dieu n'est pas là-bas. Le diable est dans cet endroit. Maintenant, la vie des Congolais est bloquée. Ce qu'on vient à Congolais, quand tu as bloqué, c'est bloqué. Parce que beaucoup n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils sont dans la machine. La magie aussi entre en toi. T'as vu que c'est que cela que je dis. Cela que je vais te payer la reste de mon copé. C'est pas normal. Et que vous savez, Mathieu. Tu arrives dans une église. Et pourquoi l'église tu commences à remettre tes pasteurs qui sont tes maris de nuit. Et quand tu vas être ma pasteur, vas-y, mène-le à Boutou. Mais quand tu dis ça au pasteur, ce que le pasteur répond, il dit non, tu es béni, ma femme. Alors, moi, je m'en suis dit, tu es béni. C'est une bénédiction. Je pas la vraie pour le Christ est le maire, il est le pouls de l'église, le pouls de donc, c'est quoi tu m'as vu comme ça? Aïe, tu es église, c'est un tellement ah, c'est une bénédiction, le coutard présent. Il est pasteur, tu es souci. Le pasteur, vous allez être présent. Je suis formé je te vois chaque fois la nuit. Mais moi, la fois, on va tu devais mon mari comment? C'est un souci. Avril de qui? Vous voyez ces choses? Vous voyez les yeux? Vous voyez les yeux? Vous voyez les amen. Amen. Mais ici, dans cette église, nous suivons ça sérieusement. Ah, mais ils ont vu ce que tu as dit, comment on va au présent? Oh, je m'étais, tata, diacre, tout ça, je l'ai vu. On appelle le diacre, on appelle l'histoire. Et puis nous, Dieu nous montre ça avant, avant que toi tu vois, nous on aura déjà vu ça. Maman, là qui t'a dit que vous avez vu ça, 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 amen. Quand un serviteur est en train de s'affaiblir, nous ici on les convoque, on les met à l'écart pour qu'ils cherchent la face du Seigneur. Quand nous sommes pas dit qu'on les balaye, pour qu'ils aient été, nous sommes en train de dire, peut-être que c'est le balaye, 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 peut-être que c'est le balaye,
On ne va pas annoncer comme cela. Mais dans les églises là, les pasteurs sont les maris de lui. Ma pasteur n'est pas la même de la vie. Mais vous allez toujours. Vous êtes comme la caca. On dame. Oh, voici l'homme. Oh, voici. Allons-y. Hein? Pourquoi tu n'as plus le caca? Toi, tu vois, le pasteur est ton mari de lui. Mais non, le pasteur, pour tout. Mais tu dis que Dieu va te bénir. Mais Dieu va te bénir comment? Ça va, on va te bénir dans c'est possible. C'est quoi ça, le matin? Tu vas plus être dans la mer. Donc, ça va, moi, dans le là. Zéro. Zéro de l'autre côté. Tu n'auras jamais de Saint-Esprit. Vous avec ton mari de lui, pasteur là. Non, mais il y a un côté à pasteur là. Tu n'auras jamais de Saint-Esprit. Vous avez besoin de ta mère à mon côté. Bien-aimé, écoutez-moi. Bah, je peux vous lire beaucoup d'écritures comme ça. Je peux vous lire la Bible. Pierre en a parlé aussi. Pierre en a parlé aussi. De la même façon qu'il y a eu des faux prophètes. Et tout le monde peut. Parce que le docteur va la carte. Il y aura aussi des faux docteurs. Bah, il y a le docteur qui va la paix. Et ils viendront seulement par la cupidité. Mais après, quand on a le cochon à mon caca. La cupidité. Le cochon à mon caca. Nous avons rencontré même certaines femmes de pasteurs qui font des miracles ici. Ils ont laissé des femmes en Europe qui sont en contact avec nous. Donc, quand on a dit que nous avons passé, nous avons dit que 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 mais ici, ils disent qu'ils sont des célibataires, ils ne sont jamais mariés. Ah, ben, vous avez dit que nous avons dit que nous avons dit que et ces femmes-là nous répètent des choses terribles. Nous avons même les photos de leurs enfants. Je vais vous donner ma photo avant de la barre pour tenir Bastien. Lorsque j'étais avec mon mari, la pasteur au lit, mais chaque nuit, après, il me montait ici à l'épaule ici. Il me pinçait les dents et j'ai des cicatrices ici. Il me suçait les dents. Je comprends qu'il me suçait le sang. Vous avez compris la gagne en bête tout là. Ce qu'ils font en secret. Je prie de me tourner au détail. Tu dois connaître l'esprit de Dieu et les différences de l'esprit du diable. Et c'est le même pour que c'est le ciel de la sa. Toi, tu vois une femme. Oui, qui se tient devant les hommes. Moi, c'est la première fois de Bali. Oh, elle enseigne la parole de Dieu. Oh, elle est en train de se oh, prophétesse. Oh, elle me oh, prophétesse. Moi, elle fait des miracles. Elle est en train de se faire ici. Elle a porté des mèches jusque-là. Elle a été ma mèche tirée. Des cabelles jusque-là. Elle a été ma cabelle tirée. Des bijoux partout. Des bijoux partout. Oh, elle est prophétesse. Oh, elle me s'appelle moi aussi. Toi, tu vas aussi là-bas. Le père, que voilà. Elle va te poser la main. Moi, ça va tuer ma peau qu'on a eu. Tu vois comment elle a la puissance de Dieu? Est-ce que le pire est la grande ensemble? Il n'a pas la puissance de Dieu. Ah, elle a la puissance de diable. Avant de faire sa campagne là, il a la campagne là. Elle couche avec des jeunes garçons. Alors ça nous sert n'a pas une belle habitude. Vous voulez qu'on vous révèle ces choses congolais? Bon, comme pas congolais, vous n'avez pas pu se dire pas secret, nous sommes pour les poli. Parce que une femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme dans l'église. Moi, ça fait que c'est pour cause de quoi me parle quand tu es à l'église. C'est écrit dans la Bible, moi, sur blanc. Et comment la Bible est pour l'aider? Lorsque les femmes transgressent cela, t'as pas passé une boucle de quoi, non? Satan vient maintenant s'asseoir la nuit. C'est la vérité, c'est quoi qu'on vend la cache de la bambou? Il va faire le miracle. Ah, vous avez vu ici? Pour montrer aux gens que c'est Dieu. Pour la vérité, c'est pas toi des Élisabeth. Ce n'est pas Dieu. Grâce à Élisabeth. Dieu ne peut pas contredire sa parole congolais. Ça n'a peut-être que tout le monde est bien aimé mon côté pas congolais. Il ne peut pas contredire ça. A peut-être que tout le monde est bien aimé mon côté. Il a dit la femme ne doit pas prendre le côté sur l'homme dans l'église. Alors peut-être moi c'est que je ne peux pas cause de cela mais pas les casse dans l'église. Non non non. T'es Dieu a refusé ça. Ça ne peut pas bouger.
Mais c'est l'égalité des hommes et des femmes. Mais dans la Bible, Dieu qui nous a créé l'a dit, le mari est le chef de la femme, le Christ est le chef de l'homme, Dieu est le chef de Christ. Il y a un ordre que Dieu a établi. Il y a moi aussi, il y a mon Christ, l'homme est le chef de la femme. Amen. C'est Dieu qui a mis cet homme-là. Fondation de ma famille. Toi, tu as fait une fondation de ta famille. Oui, c'est une fondation. Maintenant, c'est quoi, hein? Dieu va venir là-bas dans cette fondation-là. Et toi, tu enseignes maintenant Dieu aux hommes comment combattre le diable. Jusqu'à quand on va vous appeler comme ça? On parle de Dieu, mais Dieu n'est pas là-bas. Parce que quand on prend un que c'est Zambé, à Zélikouraté. Même s'il y a des gens qui disent que j'ai été guéri, il y a ceci. C'est le diable qui est là-dedans qui fait ces miracles-là. Avec ce que tu as dit, Jésus a dit, je vais bâtir mon église, une seule église sur pierre. Pas sur une femme, mais sur pierre. Pas sur sa maman Marie. Sur pierre. Et il a bâti cette église-là une seule. C'est dans cette église-là qu'il y a le salut. C'est là où Dieu rencontre l'homme. Dans l'église. Dans le corps de Christ. C'est là où Dieu rencontre l'homme. En dehors de l'église. Tu ne peux pas rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu, il faut être dans son temple. Dans le corps de Christ. Pas dans un ministère fondation. Mais vous vous suivez parce qu'il y a beaucoup de véhicules là-bas. Il y a beaucoup de gens, des autorités qui vont là-bas. Ils vont là-bas parce qu'ils sont dans la franc-maçonnerie. Parce que les gens qui sont là-bas, qui dirigent ces fondations-là, sont aussi les leurs. Amen. Amen. C'est ça ce qui bloque le pays. Il y a moyen de bloquer mon émission. Parce que beaucoup sont sans l'Esprit de Dieu. Pour être mis qui t'as dit à consacrer le bon ensemble. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'on a voulu mon sainteté. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'on a voulu mon sainteté. Et Dieu maintenant va bénir. C'est quoi ça va comprendre là? Nani. Un juge, il y a de cela plus de 15, 17 ans, 18 ans. Et c'est le qui pour les hommes ensemble, la je prie pour mon pays. Bah, comme ça, le problème qu'on a gagné. Seigneur, délivre mon pays. Quand le Congo souffre. Quand le Congo souffre, me dit, mais André, tu me demandes de faire ça, mais je vais faire pour qui? Quand le Congo André, si vous n'avez pas Congo, la personne n'a pas la nani. Ces Congolais, combien ont-ils mon esprit? Par Congolais, combien est-ce que la personne a mon esprit? Regarde à côté de toi, tu as combien de gens? Tu as combien de gens qui ont mon esprit dans ce pays? Quand la personne a mon esprit, je vais regarder. Attends, qui? Somme. Hein? Les autres sont parce que triste. Les ténèbres partout. Mon lit n'est pas juste là-bas au Congo. Il me dit, regarde ton pays. Ah, mais c'est que t'as la yo. Alors, moi, je vais les guérir comment? Ces gens ne m'honorent pas, ne m'aiment pas. Bah, t'as pas de communauté, parce que tu n'as pas été.
Je vais m'arrêter par là. La consulte en Aïwana. Je vais dire, pasteur, comment ça fait de politique. Ce que vous faites, vous mettez là, c'est pas la politique, c'est pour vous. Amen. Je vous dis ce que Dieu m'a dit, m'a révélé tout. Quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous pourquoi le Congo rentre en arrière, pourquoi. Je m'a dit, ils doivent d'abord m'aimer, mon Dieu. Parce que le Congo prend le Congo, nous avons dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Moi, le Dieu véritable. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Chacun de nous va prier le Seigneur. Mais plus que nous sommes au monde de la colo. Tu vas dire à Dieu, okay, Zabé, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Comment que moi j'ouvre aussi les yeux à mes amis. Pour le père, nous, que j'ouvre les yeux à mes frères. Aux gens de mon quartier. Qui puisse fuir ces magiciens-là. C'est Simon le magicien. Qui puisse le fuir. Qui l'abandonne. Qui connaissent le vrai Dieu. Là où il est. Et ce qui a dit. Là où il se manifeste. Et ce qui a dit comme il dit ça. Seigneur, pardonne-moi. Comment il me sangaye. Moi aussi je pensais que toi, Dieu est partout. Mais après, je comprends. Que ce soit là. Que tu n'es pas partout avec les gens. Et tu dis que nous sautons. Et on va là-bas tout. Tu es seulement là où on est en temps. Que ce qui a basé que personne le coupe. Et on marche selon ta parole. Et si nous avons le temps, le Père courant ici de Manaïo. Seigneur, pardonne-moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Ton nom de la commande de Jésus-Christ. Seigneur éternel. Nous te rendons grâce au Dieu. Parce que toi, tu as envoyé cet enseignement pour nous ouvrir les yeux. Pour nous rapprocher encore plus près de toi, Seigneur. Je te commande ces hommes et ces femmes qui ont écouté cette parole. Non pas comme la parole d'un homme, mais comme ta parole. Je sais que parmi eux, il y a ton peuple. Trouvez celui qui t'appartient, Seigneur, et trouvez qui est celui qui ne t'appartient pas. Donne-leur la connaissance. Affermis leur savoir. Seigneur, manifeste-toi, éternel. Agis en eux. Agis en chacun d'entre eux, éternel Dieu. Père. Je demande au Seigneur éternel, qui contemple ta gloire. Rassure-les qui sont arrivés devant ta face. Rassure-les qui sont arrivés en ta présence. Rassure-les, Seigneur Christ. Oh grand Dieu, je me tourne vers toi, Père. Seigneur mon Dieu, nous t'invoquons présentement. Regarde, le diable a trompé beaucoup de gens. Il les a aveuglés. Il les a gardés sous sa captivité. Ils ne peuvent pas quitter là-bas, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons éternel que toi tu tends ta main. C'est toi le libérateur qui unit les cieux. Libère ton peuple, mon Dieu, du captif, de la ténèbre dans ce pays, qui est captif du mensonge du diable. Seigneur, agis, éternel Dieu des armées. Sauve notre pays, tu nous sais le corps. Ô grand Dieu. Nous tiens encore pour céleste pour le voir. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je prie de vous asseoir.